Eh bien, bonjour. Alors, apparemment, on est en direct. Bonjour à tous en ce super dimanche ensoleillé. Là, je pense que vous êtes tous comme nous avec un temps, mais d'enfer. Voilà, On crève de chaud. peut-être que vous êtes dehors sur votre mobile en train de nous regarder, Ouais. parce qu'aujourd'hui, ben, on a vraiment envie de vous parler d'un sujet qui nous touche à cœur et que l'on travaille souvent finalement avec les gens que nous rencontrons et les clients qui viennent nous voir, c'est l'affirmation. Donc, Prendre sa place. oser prendre sa Oser place. prendre sa place, ouais. Je ne sais pas si comme nous, vous avez remarqué déjà que souvent le mot oser se posait juste avant prendre sa place, s'affirmer, dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent, Mais de toute façon, oser. prendre sa place, c'est oser. Parce qu'à un Voilà. moment donné, il faut oser pour prendre sa place. Donc, Donc, déjà, qu'est-ce qui s'est passé là? non, rien, je suis en Ah, train, ton voilà. petit, il est en train de faire des En trucs fait, c'est pas grave. bizarres. Chérie, nous, on est toujours à l'écran, D'accord, même si bon. on n'est plus à l'écran. Je sais, ça D'accord. paraît bizarre, mais c'est une forme de prendre sa place. Bon, Donc, parce parfait. qu'en fait, je vais aller. Salut ma coucou, ma Elodie. Je vais aller partager le live. Donc, en fait, dites-nous un petit peu où vous êtes, si vous êtes déjà en vacances, si vous êtes au soleil, si vous êtes Ouais. sous la pluie. Ça existe sûrement quelque part dans le Je monde. sais pas si aujourd'hui, en tout cas en France, je sais pas. Mais après, oui, ailleurs, certainement. Donc moi pour l'instant-là, je vais partager un petit peu notre live pour qu'il y ait plus de monde qui vienne dessus. On va attendre un petit peu qu'il y ait plus de monde. Dites-nous déjà de 1 à 10, avec quelle difficulté ou quelle facilité, selon que ça va être proche de 10, vous prenez votre place dans votre environnement, que ce soit travail, famille, communauté, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, professionnel, enfin Ouais, travail, donc voilà, tous les domaines de la tous les vie en domaines de la fait. vie, est-ce que vous prenez votre place? Donc de 1 à 10, à combien vous prenez votre place? Sachant que 1 est proche de ne pas prendre sa place et Et que 10, 10, c'est waouh, c'est du c'est waouh, à c'est la au one top de again, top. je prends Ouais. ma place J'y vais, je tout le fonce temps. quoi, voilà. J'ose à donf. Et ça, c'est top. Moi personnellement, je suis en train d'apprendre ça en fait. J'apprends au fur et à mesure à prendre ma place. Et déjà, forcément pour moi, le premier test, c'est déjà de l'apprendre. Dans notre binôme avec JP, dans mon couple et dans les affaires, dans le business, enfin tout ça. Je ne Donc, vois pas de quoi tu parles, mais je bon. voilà. Donc, je dois prendre ma place. Prendre qui? Et je suis extrêmement contente d'être là avec vous ce soir. Ça fait longtemps, je pense, que vous ne nous avez pas vus tous les deux. Vous avez vu pas mal JP en live ces derniers temps, qui a été assez présent, qui fait pas mal de trucs. Et voilà, il y a eu pas Notamment un mal. lancement et Ouais, les lancements, Ben t'as c'est fait tout, quoi non, ce mais soir? j'étais beaucoup présent par le lancement. Ouais. Pourquoi on a eu envie de vous parler de l'affirmation en fait ce soir? Parce que depuis quelque temps, on s'aperçoit que beaucoup de gens parlent de s'affirmer, d'être soi, de montrer sa nature profonde. Et on se rend compte dès qu'il y a des rassemblements, dès qu'il y a des réunions, dès qu'on est en collectif, on a l'impression que ce sentiment de vouloir montrer qui on est disparaît complètement. Et pourquoi on vous dit ça? Pourquoi tu dis ça, toi? Moi, je dis ça parce que depuis quelque temps, je vois des gens qui expriment du mécontentement, qui disent ne pas aimer ce qu'ils voient, ne pas aimer ce qu'ils entendent, et finalement, ne bougent pas et ne l'expriment pas. Donc, par exemple, je vous donne un exemple concret. Il y a mon ami Céd Rémy, qui est québécois et qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où il disait, est-ce que je suis seul ou bien il y a des gens qui sont en train de cracher sur les autres avec vous et que 10 minutes après, vous les voyez en grande discussion amicale avec la personne même sur qui il vient de cracher. Et donc, il disait, est-ce que je suis le seul ou bien est-ce que ça vous arrive? Et il dit, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il le supporte plus. Bah, moi, je vais vous dire un truc. Vous êtes assis quelque part, vous voyez quelque chose sur la scène ou en face de vous qui vous plaît pas. Moi, je vous invite, si ça vous plaît pas, à exprimer que ça vous plaît pas, à vous lever, à partir. Et si ça vous plaît pas, à ne pas vous lever et à pas applaudir quand ça vous plaît pas. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que personne n'exprime ce qu'il dit en dehors ou par derrière, finalement, à un moment donné, quand il est plus seul, et où le jugement ne risque pas de Ah, venir sur lui. alors je suis d'accord avec toi et effectivement moi je ne fonctionne pas de la même manière. Donc j'entends ça très bien. Et effectivement moi c'est aussi c'est pour ça qu'on a ce débat et que c'est pour ça que ce sujet-là vient sur la table parce qu'effectivement moi je vois tout ça, je ressens tout ça. Mais effectivement moi je vais plus souvent faire partie des gens qui vont pas oser dire. Alors à l'inverse je vais pas dire l'inverse de ce que je pense, mais je vais pas dire si je suis pas d'accord en fait. Voilà. Donc et ça me frustre, hein. Moi je suis la première frustrée de ça parce qu'il y a des fois où vraiment je me dis mais t'es trop conne, vas-y quoi, dis ce que t'as à dire. J'ai l'impression parfois d'être sorte lâche en fait un peu comme si je suivais le troupeau et que
pourquoi je me pose la question, en fait. C'est vraiment des questions que je suis en train de me poser de plus en plus, parce que je pense qu'effectivement, il faut oser être soi, en fait, dans ce monde. Il faut oser être soi, il faut oser vivre sa vraie vie, sa propre vie. Et si on remplaçait le mot il faut Oui, il par quelque faut, chose oui. d'autre, Non, je ça serait veux, quoi? c'est j'aime, j'aimerais, je veux incarner qui je suis. Ah, je vais te poser une question. C'est justement, comme toi, c'est vrai que tu es quelqu'un qui fuit un petit peu le conflit. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie si tu osais affronter le conflit? Ben, je pense que j'arriverai à me positionner beaucoup plus et certainement avoir plus confiance en moi, en fait, une espèce d'assurance, quelque chose de beaucoup plus sûr et beaucoup plus ancré parce que ce serait proche de ce qui je suis, Et ça te d'exprimer réellement permettrait ça. quoi d'être proche de ça? Ben, ça me permettrait, je pense, d'aller plus loin dans mes projets, de voir plus grand, d'y aller, quoi, tout simplement d'y aller. Et un exemple concret, là, rapidement, si tu appliquais ça dès demain, il se passerait quoi de nouveau dans ta vie, rapidement, la première chose? Si j'osais, ben, je pense qu'il y a des interviews que j'ai envie de faire et que ben, j'ose pas, je me sens pas légitime et puis voilà, donc j'y vais pas, alors qu'en fait tout est là. Tout est là. Et Et dès que je souvent, pose la question, finalement les gens sont partants. ce qui va amener cette non-expression, parce qu'il faut vous rendre compte que vraiment, allez, je vais dire 95% des gens avec qui on discute nous disent, moi, je veux montrer qui je suis, je veux m'exprimer, je veux être authentique. Et vous vous rendez compte que souvent, un tout petit truc qui est, ouais, mais si je me lève là et que je m'en vais, tout le monde va me voir, balaye d'un coup toute cette volonté, donc ces 95% d'envie que vous avez de vous exprimer, de vous affirmer, de montrer qui vous êtes. Donc, c'est ça qu'il faut remettre en cause. Vous vous rendez bien compte que de toute façon, pour exprimer qui on est et pour montrer qui on est profondément, on doit s'exposer, on doit se dévoiler et automatiquement, on va s'exposer au regard des autres. Et automatiquement, on va s'exposer à la critique et au Au jugement des jugement, autres. De toute façon, même quand vous faites rien, je vais vous dire un truc, vous êtes jugé puisque 10 minutes avant, vous avez dit à quelqu'un ailleurs, ouais, non, moi, cette personne-là, c'est pas possible, je peux pas, etc. Et 10 minutes après, vous êtes assis et vous la regardez et vous l'applaudissez. Donc, de toute façon, la personne à qui vous l'avez dit juste avant, elle va vous juger aussi. Moi, j'ai envie de vous poser une question. ouais, mais sans, alors sans Mais aller. pour quelle raison avez-vous envie d'être jugé? Pour ce que vous faites ou pour ce que vous ne faites pas? Avez-vous envie d'être jugé pour ce que vous ne faites pas ou pour ce que vous faites? Moi, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Et quelle est la différence? Moi, en tout cas, j'ai envie d'être jugé pour ce que je fais. Alors, quitte à être jugé, autant que je le sois parce que j'ai suivi mes convictions, parce que j'ai affiché mes valeurs, parce que j'ai dit ce que je pensais, même si je me trompe, à la rigueur, on s'en fout, c'est pas ça la question. C'est de dire ce que vous pensez. Et on a le droit de dire ce qu'on pense. Oui, complètement. Et Non, mais Elodie ça, nous je suis dit pour ce d'accord. que je fais. Bah oui, et moi, j'ai envie d'être comme toi, Elodie. J'ai envie d'être jugée pour ce que je fais. Levez la main ceux qui ont envie. Je dis levez la main. Allez, On est alors dans prenez cette vos salle. crayons. Levez la main, c'est une forme de dire. Allez-y, écrivez. Moi, je vais être jugé pour ce que je fais. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, le meilleur avis qu'on peut se faire d'une personne, c'est sur ses actions, parce qu'elles sont factuelles devant nos yeux et on ne peut pas faire autrement que de dire, ben voilà, il est en train de le faire. Ouais, Alors que effectivement. parler, 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 c'est bien. On est beaucoup plus. Moi, c'est vrai que ça me parle justement. Ça me parle beaucoup parce que j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées, j'ai plein de rêves et que jusqu'à maintenant, je les ai pas mis dans la matière. J'ai pas osé les mettre dans la matière. Et maintenant, j'en ai marre de ça en fait. Maintenant, j'ai décidé d'y aller et Superman. d'avancer, de mettre les choses dans la matière, de les créer en fait, d'oser me montrer et d'oser être jugée. Ouais. Et je vais vous dire un truc, il y a Martine Juteau qui est là, qui est du Ah, Québec, et Martine. j'ai envie de dire, j'adore cette expression qui dit, c'est important que vos bottines suivent vos babines. Donc pour ceux qui ne sont pas québécois, je vais traduire, c'est en gros, c'est Assez clair, je pense. walk your talk, Ouais. c'est mets ta parole en Mets ta marche. parole Voilà, en j'ai traduit marche. ça. Et c'est vraiment quelque chose que vous... Il y a besoin que vous arriviez à ça pour vous rendre compte que oui, c'est difficile d'être qui on est. C'est pour ça que toutes ces grandes théories qu'on vous fait sur il faut se connecter à soi, c'est vrai. Il faut être authentique, il faut exprimer votre moi profond, c'est vrai. C'est vrai. Tout ça est vrai.
Ce qu'on oublie de vous dire en dessous, mais c'est écrit en tout petit sur le contrat, tout en bas, mais vraiment en minuscule, hein, vous allez en chier parce que c'est compliqué d'affirmer qui on est. J'essaie de l'écrire en gros en haut, mais c'est écrit tout, tout petit en bas. Et ouais, oui. Ouais, c'est très vrai. Et c'est justement peut-être c'est souvent ça, en fait, on se dit au fond de soi, ouais, moi je vais y aller, je vais dire qui je suis, et puis je n'ai même pas peur et tout ça. Et puis le premier obstacle, ouf, tout d'un coup on est là et on dit, ah ouais, non, mais c'est difficile là, non, mais est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et puis on lâche, en fait, on lâche très très facilement parce qu'on se dit, est-ce que j'ai envie de me battre pour ça? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et je pense que c'est ça la question à se poser. C'est pourquoi on le fait, en fait. Pourquoi on le fait? Et à ce moment-là, il faut se connecter à chaque fois à ça, à sa vision. Pourquoi on le fait? Très bonne question, Aurélie. Pose-toi là. Alors, au moment de passer à l'action, et tu sais qu'on en a discuté il y a 15 jours, qu'est-ce qui te bloque, toi? Qu'est-ce qui vous bloque au moment de passer à l'action? Posez-vous cette question-là pendant 30 secondes. Tous les gens qui ont du mal à passer à l'action, tous les gens qui remettent au lendemain, tous les gens qui repoussent, même tous les gens qui mettent la tête dans le sable pour faire l'autruche, s'il y en a qui étaient au webinaire que j'ai fait avec François Gaudreau il y a un peu plus de 15 jours, j'ai parlé des 6 personnages qui bloquaient l'entrepreneur dans le statu quo. Rassurez-vous, hein, vous remplacez entrepreneur par être humain, et ça marche, hein, c'est 6 personnages qui interviennent dans n'importe quel projet et qui vont faire en sorte que vous restez dans le statu quo, que ça bloque. Eh bien, il y en a un, c'est l'autruche, hein, c'est mettre la tête dans le sable en espérant que ça va passer. Ça marche pas, faire comme le lapin, les yeux dans les lumières de la voiture en espérant que la voiture va s'arrêter parce que vous bougez plus, ça va pas le faire non plus. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui vous bloque? Et pour revenir à la fameuse loi de l'attraction, en fait c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est bien d'avoir des rêves, dire essayer de connecter à je veux, mais si on fait rien nous, si on met rien en action, si on n'ose même pas faire le premier pas, ben, il se passera rien, voilà, tout simplement. Donc, je mets la petite réponse de Elodie. Elodie, dès qu'il y a un clavier, elle écrit. Vous inquiétez pas, hein, c'est, elle a la claviette aiguë. Il y a un clavier, elle écrit. La claviette aiguë. Donc, le message à l'action, c'est maintenant. Plus le temps. J'imagine, Marie, que tu es en train de nous dire qu'effectivement, il y a plus de temps à perdre. Donc, l'affirmation, c'est quoi? Déjà, il y a un travail à faire sur l'estime que vous avez de vous-même parce que peut-être vous ne vous sentez-vous pas les épaules de faire face justement à ce que votre affirmation va déclencher. Ça peut être les réactions des gens autour de vous parce que vous vous levez puis vous quittez la salle, par exemple. Ça peut être la réaction de votre famille parce que vous réussissez et que ça déclenche des jalousies, peut-être de gens qui ont moins bien réussi et qui aimeraient être à votre place. Ça peut être plein de choses qui vous font craindre de laisser votre potentiel exister et de laisser votre... de prendre votre place pleinement. Toi, par exemple, chérie, puisque tu dis que tu as du mal à prendre ta place, c'est quoi le risque de prendre ta place? C'est que ça fonctionne, c'est avoir du succès, c'est être... En fait, je pense que c'est justement être vu. C'est ma problématique, c'est d'être vu. Et c'est quoi le risque d'être vu? Qu'est-ce qui peut bien se passer si à un moment donné, tu es vu? Je pense que du coup, je deviens responsable de quelque chose. Donc, je me dois de... Je sais pas, j'ai un devoir par rapport aux gens dans ces cas-là. Donc, pas bon, ce côté, devoir. Non, mais responsabilité, c'est-à-dire tout d'un coup, j'endosse une vraie responsabilité. Qui te demande de l'endosser? Mais non, mais c'est pas qu'on me demande, c'est que c'est une responsabilité. C'est pour ça que je te pose la question, qui te demande? Moi. Ah, quelle partie de toi? Excusez-nous, on fait un petit coaching, on revient vers vous après. Quelle partie de toi te dit, oh là là, Sandra? Si tu prends en responsabilité, attention, si tu fais vu et vu, tu es en responsabilité. Quelle partie de toi dit ça? Bah, c'est moi, ma partie justice, droiture, éthique. Non, c'est pas forcément celle-là. La responsabilité, oui, il y a aussi, il faut pas déranger pour la mise en lumière. Voilà. M'énerve un peu. Faut pas déranger. Est-ce qu'il y en a qui parmi vous là où vous avez ce truc parce que petit par exemple on vous a dit un enfant c'est bien sage, ça fait pas de bruit, ça se met dans un coin, ça bouge pas, ça se fait pas remarquer. Est-ce qu'on vous a dit ça? Pas par hasard, je vous le dis. Mais j'ai eu une cliente comme ça. Vous vous rendez compte? À 50 ans, elle était encore impactée par cette chose parce que sa mère, quand elle était petite, elle lui mettait une belle robe. Le dimanche, ils allaient chez les grands-parents et elle était assise dans un coin et elle n'avait pas le droit de salir la robe. Elle n'avait pas le droit de faire de bruit. Elle n'avait pas le droit de bouger. Et ben, à 50 ans passés, cette dame
Écoute, oui. pensait qu'elle avait encore pas le droit de s'exprimer, pas le droit d'exister, pas le droit de bouger, pas le droit d'être vue, pas le droit au bonheur. Vous vous rendez compte, juste ça, comment ça peut impacter toute une vie? Alors moi, je vous le dis, bottez-moi le cul à ça. J'ai déjà fait plein de vidéos où je vous ai donné les techniques pour aller brûler les accords que vous avez passés avec vous, qui vous empêchent de vous affirmer, qui vous disent, qui vous maintiennent petits. Imaginez-vous tous là que vous êtes tous des Ferrari et que vous vivez dans des 4L. Ah, je sais pas si peut-être je suis un peu vieux, donc et que vous vivez, je sais pas moi, dans une Mini toute petite, mais vous êtes une Ferrari. Voilà, un moteur de Ferrari dans une petite Mini là. Vous imaginez les dégâts si le moteur se met en route. Donc Ou alors une petite fille dans un corps d'un mètre quatre-vingts. voilà, ou alors voilà, c'est ce que je dis toujours, c'est je dis toujours qu'il faut qu'elle arrête de se comporter comme quelqu'un qui fait 1m10 parce qu'elle fait 1m80. Voilà. Donc voilà, si vous faites 1m80, vous Incarner pouvez le. pas passer inaperçu. Je Ouais. parle pour les femmes en tout cas, parce que les hommes, moi je suis 1m80, c'est plutôt normal. Mais les femmes qui font 1m80, hein, arrêtez tout de suite d'essayer de faire 1m10. Ça Incarnez-le. marchera pas. Ça Incarnez-le. C'est ce marchera que je comprends de plus en plus. Incarnez-le. pas. Et pour ça, vous allez devoir être vu. Et ça va déranger. Et ça va faire de l'ombre à certains, parce que le chêne qui est très grand et très haut, fait de l'ombre aux arbustes qui sont en dessous. Ça n'empêche pas les arbustes de se développer. Ils trouvent un moyen. Ils biaisent, ils vont de travers et ils y arrivent. Donc arrêtez de vouloir prendre soin des autres. Et Prenez soin de vous. posez-vous aussi la question de savoir à un moment donné qu'est-ce qui se passe quand vous restez comme ça, finalement, qu'est-ce que vous ressentez? Moi, par exemple, c'est devenu une énorme frustration en fait. Il y a vraiment un truc à l'intérieur et c'est pour ça que j'ai décidé qu'il fallait que ça cesse parce que cette frustration, elle est plus forte que tout et que je me dis, je suis en train de perdre ma vie à côté, je suis en train de passer à côté de ma vie en fait. Donc, demandez-vous qu'est-ce que ça vous fait à vous, qu'est-ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur? Quand vous n'osez pas dire quelque chose, quand vous n'osez pas affirmer qui vous êtes. Et après, ce qui est important aussi, c'est ce rapport entre s'affirmer, mais rester en accord avec ses valeurs. Alors ça, c'est la deuxième partie effectivement de notre titre. Qu'est-ce que toi, c'est quoi là, ton point de vue là-dessus, sur justement réussir justement à pouvoir rayonner tel que tu rayonnes à l'intérieur, à pouvoir rayonner tel que tu rayonnes quand on est ensemble. Parce que finalement, je vais faire une petite confidence, hein, vous le dites pas que je vous l'ai dit. Quand on est ensemble, Sandra, elle prend toute sa place, elle existe. On se fait mutuellement des remarques, on en discute, on échange, on se challenge, on se picote. Je rêve de la voir comme ça partout. Ah, vous lui dites pas que je vous l'ai dit, hein. Surtout, je vous fais J'ai confiance, hein. rien entendu. Donc, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui, oui, Christelle, tu sais ce que c'est de faire 1m80, voire plus, et de prendre sa place et d'accepter. Donc, qu'est-ce qui fait que t'arrives pas à être comme ça? Ou alors à l'inverse, qu'est-ce qui te permet de le faire avec moi? Certainement que je ne suis pas jugée, Moi aussi, que je j'arrête pas, sais. tu juges tout le temps, Oui, 24 mais sur je m'en fous. 24. Je m'en fiche. En fait, c'est. Voilà, c'est. Je m'en fiche. Ne se juge pas. Ce que tu. Voilà, mais ce que tu penses, finalement, je m'en fiche parce que je sais que Tu te fiches de ce que. tu me pardonneras. Tu me Ah prends ben plus. voilà, et voilà, 10 ans, et elle se fiche de ce que je pense. Et ben voilà. Et ben voyez, on en découvre tous les jours. Non, mais je me fiche dans le sens où je suis pas inquiète. Je suis pas inquiète, ça va rien changer à notre relation, au contraire. Voilà. Donc. Et c'est ça qu'il faut que je modélise pour mettre dans ma vie de tous les jours avec tout le monde, en fait. Et j'ai envie de vous dire finalement, de vous poser cette question à tous, on parle de valeurs, de respecter ces valeurs. Quand vous vous affirmez pas, quand vous ne dites pas qui vous êtes, quand vous ne suivez pas vos intuitions, vos envies, vos projets, quelles valeurs qui font partie de votre vie, vous ne respectez pas? Quelle valeur vous ne respectez pas en ne vous affirmant pas? Posez-vous cette question tous là, on est 24, 26. Quelle valeur vous ne respectez pas chaque fois que vous refusez de vous affirmer ou que vous reculez devant le fait de prendre votre place, de vous affirmer, de dire ce que vous pensez? Allez-y. Ah bah d'un coup là, pof, il y en a 5 qui ont disparu. Hein. Vous avez vu, on pose une question, ça y est, c'est magique, Facebook, il y en a 5 qui disparaissent. Quelle valeur vous ne respectez pas? Allez-y, faites un petit tour dans vos valeurs. Et imaginez-vous en train de ne pas prendre vos responsabilités ou de ne pas assumer qui vous êtes. Le respect de soi, première chose. Et quelle valeur tu mets dans le respect de soi, Martine? Ce serait intéressant de développer ça. Je le marque, hop, voilà. Donc le respect de soi, c'est une chose. Quoi d'autre comme valeur vous ne respectez pas? C'est une question importante à vous poser pour réussir
Bah ça, c'est le respect de soi, l'authenticité, effectivement, effectivement, l'authenticité, l'honnêteté, authenticité, honnêteté, l'injustice. Explique-toi un peu plus, Marie, c'est quoi le est-ce que c'est une valeur, l'injustice? Ou est-ce que c'est la justice qui est une valeur? L'éthique, L'éthique, peut-être. c'est quoi? Parce qu'effectivement, quand je vois certaines valeurs, la justice pour moi est une valeur forte, l'intégrité, l'équité, notamment l'équité plus que l'égalité. L'équité est une valeur forte et effectivement, quand elle est transgressée, ça fait des réactions chez moi qui peuvent être très 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 fortes, violente, oui, ça je vois voire bien. violentes, parce que c'est quelque chose de très très fort chez moi et de trop fort même. Bon, après, on va pas aller dans l'excès des valeurs, on va être juste dans les valeurs, mais l'amour, Sandrine, ça m'intéresse que tu développes un petit peu l'amour. La valeur d'amour envers Oui, toi-même, c'est ça, l'amour de soi, la j'allais liberté dire. d'être Ouais, soi-même, ouais. exactement, la liberté, c'est une forte valeur. Et c'est super que tu détailles, c'est Émilie, parce que tu dis la liberté d'être soi-même, parce que la liberté tout seul, c'est un concept. Et la liberté d'être soi-même, c'est hyper important, tu précises de quelle liberté tu parles. Effectivement, c'est un peu la liberté d'expression, la liberté d'existence, Ouais, quoi, d'être différent. et ça me parle bien ce que dit Émilie, parce que moi aussi, ce que je ressens, c'est souvent, c'est ça. J'ai l'impression finalement que quand j'ose pas exprimer, quand je me laisse finalement suivre quelqu'un alors que je suis pas complètement d'accord avec ce qu'il dit ou comment il le fait, j'ai cette impression d'être enfermée dans une cage et que j'arrive pas à en sortir. Donc il y a cette notion de liberté, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres valeurs comme ça que vous sentez, que vous bafouez? Donc, c'est ça le truc en fait, c'est. Je sais que parmi ceux qui nous suivent, il y a beaucoup d'entrepreneurs et qu'on rêve tous d'une chose, ben c'est d'impacter un maximum de personnes dans le monde. C'est aussi en même temps de gagner sa vie et de ce qu'on appelle dans notre jargon monétiser. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est possible d'atteindre ce niveau d'impact dans le monde en même temps de monétiser et de respecter toutes ces valeurs? Marie, bienvenue au club, l'injustice te met hors de toi. Et je parlais. Quand je vous parlais des valeurs, c'était les valeurs à vous que vous ne respectiez pas en ne vous affirmant pas. La question, c'est ça, hein. Quelles sont les valeurs qui font partie de vos valeurs importantes que vous ne respectez pas quand vous vous affirmez pas? C'est ça la vraie question. Que l'injustice que tu vois en face de toi te fasse réagir, c'est une chose, mais finalement, c'est plutôt tes valeurs à toi que tu honores pas. Donc, il y a force d'être soi-même, tout, c'est partager la force avec les autres, oui. C'est ce qui s'appelle le partage, effectivement. Donc voilà, la question c'était, est-ce que c'est possible finalement d'impacter le monde et puis de gagner sa vie en même temps tout en respectant ses valeurs profondes? C'est une vraie question qu'on Ouais, se pose. c'est vraiment un vrai débat qu'on a aujourd'hui, parce qu'on voit tellement de choses et qu'on se dit, mais comment on peut faire, en fait? Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir justement réussir ça, réussir à passer notre message, réussir à impacter le monde, réussir à gagner de l'argent, parce qu'on est là, finalement, il faut bien qu'on vive, donc tout en se respectant totalement, tout en étant aligné avec ce qu'on va dire, et finalement, comme dit Martine, les bottines et les babines, en C'est fait. ça, c'est C'est ça. vraiment ça. Nous, on est comme ça et on a envie de faire ça, et on a envie que ça fonctionne comme ça. Mais on Parce sait qu'on pas. voit, on entend et on voit plein de gens sur Internet qui font justement des lives comme ça ou des vidéos un petit peu ce que j'appelle acide nitrique, donc qui attaquent très fort certaines façons de faire. Et à la fois, alors nous, on n'aime pas tellement la manière forcément dont c'est fait. C'est plus le fond est juste, c'est plus la manière dont c'est amené, mais. Ça nous éveille quand même sur le fait que finalement on est prêt à quoi pour avoir quoi? Vous êtes prêt à quoi pour avoir quoi? Je sais, la question est un peu bizarre, mais c'est ça. À quoi êtes-vous prêt pour obtenir votre quoi, c'est-à-dire ce que vous recherchez? Donc je vois que vous êtes toujours sur les valeurs, la créativité, tout ça. Alors, ce qui serait intéressant, c'est Kilsoun, dans quelles circonstances tu considères que tu ne respectes pas ta valeur créative? Est-ce que c'est quand tu n'oses pas dire ce que tu penses? Est-ce que c'est quand tu n'oses pas partager une idée? Est-ce que c'est quand tu n'oses pas montrer tes dessins si jamais tu dessines? Ou est-ce que c'est parce que tu n'oses pas chanter si jamais tu chantes? C'est quoi le truc? Quand est-ce que tu ne respectes pas cette valeur créative? Parce qu'effectivement, la valeur créative, on l'a tous. Et c'est intéressant de savoir un petit peu comme ça comment vous sentez que vous ne respectez pas ces valeurs-là. C'est très, très enseignant pour les autres. Ouais, N'oubliez pas, vous apprenez beaucoup des autres en étant sur des lives et en regardant les c'est en commentaires. fait souvent la valeur créative étouffée, c'est il s'est passé quelque chose qui fait qu'on s'est mis trop de structure, trop de cadre de l'autre côté, et du coup on laisse plus sortir sa valeur créative. Mais effectivement, on l'a tous en nous. Dès qu'on redevient un peu enfant, dès qu'on se laisse redevenir enfant, on redevient créatif en fait.
Il y a Martine qui dit visiblement, il y en a qui y arrivent. De vous regarder en est un très bon exemple. Merci. Nous prenons maintenant, il nous reste un tout petit détail à faire. C'est bien gagner notre vie. Et donc voilà, c'est pour ça que finalement, on se pose toutes ces questions. Alors peut-être qu'on se pose, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'on se pose beaucoup de questions. Ouais, peut-être que justement, à un moment donné, il faut arrêter de se poser les questions, et puis il faut avancer, et puis voilà, mais. Ouais, il y a tellement de choses qui sont faites et qui sont pas satisfaisantes. Il y a Christelle qui nous dit, moi j'ai du mal à exprimer ce qui est en moi. Ok, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu sais d'abord ce qui rend difficile la chose? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu connais en toi ce qui rend difficile l'expression? Et il y a Aurélie qui nous dit, mon problème c'est que je fonce et d'un coup j'ai un frein. Ok. J'ai un frein qui surgit de nulle part et je me retrouve devant une page blanche. Donc j'imagine que tu es en train de nous parler du fait que tu veux écrire, par exemple, et que d'un seul coup, au moment où tu te lances, tu te retrouves devant une page blanche. Là aussi, refais le film inverse et demande-toi, au moment où la page blanche intervient, tu es dans quel état d'émotion? Tu es dans quel état de pensée? Qu'est-ce que tu es en train de penser au moment où la page blanche apparaît? Est-ce que peut-être tu n'es pas en train de penser « je vais pas y arriver » si je me souviens de nos discussions, de l'impact que tu as eu sur moi quand je t'écoutais, tu sais comment je fonctionne, Aurélie. La sensation, c'est ça, c'est que j'ai senti un grand manque de confiance en toi-même et un grand manque d'estime. Et donc, arriver devant le moment de passer à l'action, c'est là où la valeur de la personne agit. Tu te dis, bah non, mais moi, j'ai pas les moyens. Mais non, mais moi, je n'y arriverai pas. Mais non, mais moi, je le vaux pas. Moi, je suis pas capable. Moi, toutes ces paroles dont j'ai déjà parlé plein de fois en live, notamment il y a 15 jours, sur le « je vais pas y arriver », sur la valeur que vous vous donnez. Et là, on est vraiment là-dedans, c'est de résoudre, de trouver quelle est votre valeur. Ouais, et alors justement, je pense à ce que dit Aurélie, parce que moi, je m'identifie tout à fait là-dedans. Et je pense qu'à un moment donné, quand j'arrive devant cet obstacle, donc tout d'un coup, je me dis, mais en fait, ouais, je veux interviewer un tel, ça y est, j'y vais et tout, j'ai le sujet. Puis tout d'un coup, je suis là, je me dis, qui je suis pour aller interviewer ce gars-là, et puis qu'est-ce que je vais lui dire, et puis j'ai rien à lui dire, et puis voilà. Et ça part dans tous les sens. Et à ce moment-là, ce qui est important, souvent, alors j'en parle à JP parfois, et puis du coup, lui, il me remet sur le chemin en me disant, mais ok, mais pourquoi tu fais ça? Voilà. Et c'est se reconnecter à sa vision de départ. Pourquoi je fais ça? Et repartir, en fait. À chaque fois, il faut vraiment se reconnecter à qui on est et à pourquoi on le fait. Où est-ce qu'on a envie d'aller, en fait, pour réavancer? Et c'est compliqué, hein. Il y a aussi autre chose que j'essaye de faire maintenant, c'est de me mettre des affirmations. Tous les jours, je me prends des affirmations comme des mantras à vous dire tous les jours. Et c'est quelque chose qui va rendre finalement ce qui est négatif pour vous, vous le mettez de manière positive pour construire et avancer. Moi, j'ai envie de vous challenger. Alors, il y a 22 personnes connectées au moment où je dis ça. Donc, normalement, je devrais avoir 22 réponses. Bien oui. J'ai envie de vous demander quelle est la chose que vous n'osez pas faire, ou une chose que vous n'osez pas faire depuis longtemps, et que vous allez oser montrer, faire, dire, écrire, envoyer, dessiner, chanter, tout ce que vous voulez demain. Écrivez tous un truc que vous allez faire demain, que vous ne faites pas depuis longtemps. Allez-y. 21, c'est, vous avez vu, hein, dès que je pose une question, il y a des gens qui disparaissent. Les gens qui sont connectés avec nous, c'est que vous pensez qu'on peut vous aider à changer les choses dans votre vie. Je dis bien vous aider. On n'est pas là pour changer les choses pour vous. On ne peut que vous y aider, vous accompagner. On ne peut que, je dirais, initier le mouvement. Allez, écrivez-moi, qu'est-ce que vous allez faire demain que vous ne faites pas depuis des lustres parce que vous avez peur de quelque chose, de conflit, n'importe quoi, d'être jugé. Donc, pourquoi Nathalie? Ah Nati, pourquoi plus toi que l'autre? Mais parce que toi tu n'es pas Sandra, parce que toi tu es particulière comme tout le monde. Vous savez, on a tous un point commun, tous là, sur cette terre. On a tous un point commun. Vous savez ce que c'est? On est tous différents. C'est ça le point commun qu'on a. On est tous différents. Donc pourquoi plus toi qu'une autre? Parce que toi t'as osé demander, parce que toi t'as osé dire, parce que toi t'as osé le faire. Voilà pourquoi toi. Parce que t'as peut-être été la première à oser dire ça, la première à oser demander ça, la première à poser cette question. Voilà pourquoi toi, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Et puis aussi peut-être parce que tu en as envie et que c'est un de tes rêves ou ton souhait le plus fort de pouvoir accéder à ça. Est-ce que...
C'est pas ça. Je suis de la main gauche sur mon. Voilà. Je suis de la main gauche sur ma souris. Donc voilà. Salut Steve. Juste pour rebondir là-dessus, en fait, c'est aussi le truc de dire, c'est quand on n'ose pas demander, le nom, on l'a déjà. Ça, c'est notre ami Laurent Rousseau qui nous disait ça. Il a raison. Le nom, tu l'as déjà. Donc finalement, on n'a pas grand-chose à craindre de poser la question. Et on se rend compte souvent même que quand finalement on ose, et ben en face, les gens sont ravis de nous répondre. Ça, c'est un truc que je découvre. Alors, je vais lire un petit peu parce que je rigole, parce que moi, je vois les... Attendez, je suis à la main gauche hein, sur la souris, excusez-moi. Alors, j'ai plein de réponses, hein, je suis content, voilà, qu'il y ait des gens répondent. C'est, si vous osez faire... Alors, il y a Steve qui nous dit qu'il a fait une faute et je sais que c'est pour lui, c'est monstrueux. Il a osé laisser une faute dans un poste. Oh, merde. Alors, Christelle, reprendre confiance en toi. Ok, tu dois faire quoi? C'est quoi une... Ça, c'est un concept. Avancer, pareil, avancer Aline, mais avancer comment? Comment tu sauras que tu as avancé demain? Un truc concret, éloigner les pensées négatives, pareil, comment est-ce que tu sauras, Ademi, comment est-ce que tu sauras que tu as éliminé les pensées négatives? Parce que tous, là, vous me filez, vous voyez, par exemple, je reprends Steve, il nous a donné un cas concret. Il a dit, j'ai osé faire une faute monstrueuse dans mon poste précédent. Ça, c'est concret. Il a osé laisser une faute. Je suis sûr qu'il l'avait vu. Il aurait pu l'enlever. Il l'a laissé. Consciemment, il s'est dit, et alors, je laisse la faute. Qu'est-ce que ça va changer réellement dans ma vie d'avoir laissé une faute? Eh bien, c'est ça que vous devez trouver. C'est une action de ce genre-là. Vous avez vu, c'est juste une faute dans un poste. Moi, c'est comme ça que je le dis. Pour moi, c'est juste une faute. Pour lui, non. Pour lui, c'est pas juste une faute. Donc, il y a un réel. Et Steve est osérologue. Oui, Steve est osérologue. On le produit comme ça au passage. Donc, tout est en moi, mais j'ai du mal. OK. Donc, il y a Émilie qui nous dit prendre pleinement ma place, assumer qui je suis et mettre définitivement dans cette énergie constructive et donc ne plus avoir peur du jugement. Concrètement, Émilie, demain, qu'est-ce que tu fais? Un acte réel. Ça, c'est le concept, c'est l'idée, c'est ton objectif, mais l'acte réel, est-ce que, comme Steve, tu vas laisser une faute quelque part? Est-ce que tu vas oser mettre un t-shirt que tu as dans ton placard depuis 3 ans que tu mets pas parce qu'il est d'une couleur un peu flashy? Est-ce que tu vas oser aller dire à ta voisine de bureau que quand elle mange des chips et que tu es en train de travailler, ça te dérange? Est-ce que j'en sais rien, moi. Trouvez quelque chose de concret que vous ne faites pas depuis des années ou depuis des mois parce que vous avez peur de vous affirmer. Demain, je ferai lire une page de mon roman, même si cela me fout la trouille. Yes! Merci, Nati. Merci. Voilà, c'est ce genre d'action. Qui est prêt à faire une action comme ça? Si vous n'êtes pas prêt, quittez ce live. Quittez ce live à jamais, pour toujours. Donc, vous voyez. Alors, chérie, demain, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que tu fais demain? Demain, je demande à une personne que j'apprécie beaucoup. De faire une interview. Moi, je m'interview tous les jours. Voilà, je vais monter ma première interview. Ok, un nom. Sur ma page. Je vais pas aider. Pourquoi? Je sais que je vais faire cette interview. D'accord, ok. Donc, vous attendez tous à une interview sur sa page. Alma Deva Prod. Alma, A-L-M-A, Deva, D-E-V-A, Prod. Et pour plus de sûreté, je l'écris en commentaire. Donc. Et voilà, donc je suis responsable. Maintenant, tu es responsable. Donc, allez-y pour... parler de mes projets ouvertement. Ok, une personne à qui tu dois parler d'un projet. Je t'embête un peu, Émilie, mais j'y tiens. Une personne en particulier à qui tu as envie de parler de ce projet et que tu vas le faire demain. C'est correct. Alma, Deva. Je sais que je vous challenge, mais vous savez quoi? Moi, ma mission de vie, c'est ça. C'est vous challenger. C'est pas vous laisser... J'ai pas envie de vous laisser... Allez, je le dis, j'ai pas envie de vous laisser dans votre médiocrité si vous y êtes. Si je sens que vous pouvez aller dans votre brillance, je vais faire tout ce que je peux pour ça et rester dans des concepts et des... Par exemple, la liberté, c'est un concept. C'est juste un concept. Qu'est-ce concrètement? Comment vous vous sentez libre? C'est juste notre impression qu'on a des choses, en fait, de toute façon. C'est ça. C'est bien d'être... je vous ai marqué le nom de la page de Sandra, Alma Deva Prod, sur Facebook. Je crois qu'il n'y a plus, je crois. Oui, voilà. Mais personnellement, j'ai besoin de challenges comme ça aujourd'hui pour me faire avancer, en fait. Et c'est pour ça, ben, finalement, ok, je m'engage, je vais le faire, je vais y aller étape par étape, et puis voilà. Donc, à vous maintenant de nous montrer justement ce que vous êtes prêt à faire pour avancer. Aline, tu nous as dit avancer, ok. Avancer dans ton affirmation, ça serait quoi concrètement? Qu'est-ce que tu vas mettre en place demain pour dire, demain soir, aujourd'hui, j'ai avancé vers l'affirmation de moi-même, vers prendre ma place? Comment tu pourras dire ça?
Il y a Marie qui nous dit de dire merci, merci. Alors, je ne sais pas, merci à quoi, merci à qui, comme dirait Patrick Oui, Bruel. c'est ça. J'avais envie de la faire. Voilà, c'est ça aussi, c'est prendre sa place et Merci. dire ce qu'on a envie de dire. Vous savez, Merci. il y a mon formateur, mon mentor, Marco Fiadiani, qui dit toujours, Qu'est-ce qu'il voilà, dit? moi, Steve, qui dit toujours, un leader, ça a un avis. Et ça le donne. Donc, c'est vraiment ça en fait. On a un avis, on est leader de notre vie, on a des avis, des points de vue, et on les donne. Il faut essayer de ne pas s'attacher à ce que l'autre va prendre ou pas prendre ce que vous donnez. C'est juste que vous le donnez. C'est ça qui est important de travailler. C'est qu'en fait, à l'intérieur de vous, vous laissez votre surego. Et pas votre ego, parce que votre ego, c'est normal que vous en ayez un. On a trouvé d'ailleurs un nom. On a Oui. trouvé un nom. On vous fera un live là-dessus. On vous les dit pas maintenant, mais on a trouvé un nom pour celui qui a beaucoup d'ego et celui qui a pas D'accord. beaucoup d'ego. Donc, il n'a pas assez finalement. Et on va vous faire un live exprès là-dessus. Vous verrez, ça va être très rigolo. Mais en tout cas, c'est ça. C'est laisser votre surego à la cave, dans un placard, et accepter que la personne en face ne soit pas d'accord, ne prenne pas votre avis, ne le voit pas de la même façon. Ne vous écoute pas, c'est pas grave, mais au moins vous aurez exprimé ce que vous avez envie d'exprimer. C'est ça qui est important. Donc Elodie qui dit, tu veux du concret? Demain matin, je monte le... Attendez, je vais vous l'afficher, ça ira plus vite parce que comme ça. Voilà ce que dit Elodie. Demain matin, je monte le premier module de ma formation pour les entrepreneurs. Smiley, Yes! fun et sexy, bien sûr. Ok. Yes! C'est cool, Elodie. C'est cool. Moi, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous pondre. Ok, Émilie, j'ai ton action. Je vais te la proposer. Tu auras le droit de refuser, de prendre ou de me faire une contre-proposition. C'est les fondamentaux du coaching. C'est comme ça que ça se passe. Très simplement. J'imagine que si tu parles de ça, c'est que tu es dans l'Académie Zéro Limite. Contredis-moi si c'est faux ou valide si c'est vrai. Moi, ce que je te propose, c'est que tu vas faire un résumé de ton idée, un résumé de ton projet, et tu vas faire un post. Ou une vidéo, comme tu veux. Et tu vas poster ça dans le groupe de l'Académie Zéro Limite. Ou alors tu vas poser ça sur ta page, très simplement. Tu vas écrire un petit peu c'est quoi ton projet, c'est quoi que tu as envie de partager, et tu vas poster ça sur ta page. Ça sera un premier pas pour parler de ce que tu as envie de parler, pour partager ton projet, pour ne pas rester seul dans ton coin, parce que dites-vous bien que être seul dans son coin, ça ne va pas vous permettre de vous rendre rapidement à vos objectifs, et même peut-être. Ça peut vous Inquiète. freiner grandement à atteindre vos objectifs. Alors, n'hésitez pas, allez-y, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs moi sur la page, justement, ça a été le premier pas. Je crois que j'avais discuté avec Elodie, entre autres. Merci Elodie d'ailleurs. Et toi. Et j'ai fait mon post sur la page, j'ai commencé à exprimer mon projet donc pour avoir les retours. Et j'ai eu tellement de retours que ça a été juste génial parce que ça m'a conforté dans mon projet. Donc maintenant, c'était la première étape. Maintenant, je vais aller à la deuxième et je vais y aller étape après étape. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, mais il y a Steve qui a écrit un truc, mais je Dis-moi. comprends pas la phrase. Dis. Steve, t'es devenu fou. On comprend plus ce que t'écris. C'est pas possible. Il se passe quelque chose de terrible. Qu'est-ce qu'il Tu m'as dit? écrit à moi, deux, mile. Alors j'imagine smile ou deux mile. Tu me parles à moi. J'ose tout. Je suis un fou. C'est le soleil breton. Il est devenu fou. Pour ceux qui connaissent Steve, vous comprendrez ce que je veux dire. Eh ben, tu sais quoi? Oui. Eh ben, c'est lui que je vais interviewer. Eh ben tiens, t'as Si, gagné mon pote. voilà. Schlack. Si tu es d'accord, Steve, on va se parler. Voilà, oui, il me disait que ça coupait, mais c'est la Bretagne là-bas. Ça y est, je l'ai fait récemment, j'ai tout expliqué sur ma page et j'ai même envoyé un mail à toute ma famille. Yes, génial. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Oui, ça coupe. Alors, on a une très mauvaise connexion en Bretagne. Ce sont les corbeaux hein, qui en tournant créent le flux. Donc par moment ils se posent, donc ça marche pas bien. Voilà. Non, on est vraiment bien fait pour toi, Sandra. Je t'aime, fonce. Moi aussi, je t'aime. Mon projet, nous dit Marie, c'est être bien avec moi-même, travail, famille, développement déjà. Donc j'imagine que ça veut dire que tu as déjà ça. Ah non, déjà être bien avec ton toi-même, ta famille. Ok, et le développement. Génial. Écoutez les amis, je pense que vous avez maintenant 1000 raisons et 1000 pistes pour vous affirmer,
oser dire qui vous êtes. Alors, vous avez entendu Sandra qui a dit plusieurs fois, JP me demande souvent, JP me ramène souvent. Donc, si j'avais besoin d'un JP en particulier, bah, sachez que j'ai réouvert des créneaux de coaching. Il suffit d'aller sur ma page Rends ta vie sublime, là, et à gauche, il y a le lien pour prendre rendez-vous et vous aurez le droit à On a une heure toujours besoin de, d'un JP voilà. chez soi. Et vous aurez droit à une heure de coaching. Il suffit de prendre rendez-vous. Je suis vraiment à votre disposition. Et puis, n'oubliez pas qu'on a plein de contenu sur la chaîne YouTube, qu'on va vous faire des petites vidéos régulièrement, en tout cas des lives régulièrement cet Ouais, été. on va être présent. On prévoit de vous faire peut-être 1 ou 2 semaines à thème, où il y aura trois, quatre lives dans la semaine. Peut-être des ateliers en présent, Voilà. justement sur le web. Peut-être des ateliers sur le web, payants, évidemment. Parce que là, ça va être un atelier concret, on va vraiment vous faire travailler. Donc voilà, on vous revient avec tout ça très vite. N'oubliez pas, vous avez la chaîne YouTube, vous avez plein de vidéos sur la page Rends ta vie sublime. Vous pouvez aussi accéder, si vous avez envie, à mon petit programme de 21 jours de coaching. Tout ça, c'est sur mon site internet, c'est sur la page Facebook. Tout est à votre disposition. N'hésitez pas à vous en Et moi, servir. j'ai envie de vous dire, ben, j'espère que vous allez me suivre. Moi, je suis en train d'avancer maintenant pas à pas. J'écoute tout ça, j'intègre tout ça. Et ben, j'aimerais bien être pas toute seule, justement, et que tout le monde puisse avancer comme moi. Donc, je suis prête à vous parler, je suis prête à vous entraîner avec moi. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des doutes, etc., n'hésitez pas à appeler, Exactement. qu'on puisse partager, justement, nos succès au fur et à mesure. Et Voilà, ça me fera très plaisir. si vous êtes un expert dans un domaine du développement personnel, que ce soit énergétique, que ce soit coaching, que ce soit massage, la page de Sandra, c'est vraiment dédié à mettre en avant les experts Oui, tout à fait. du Oui, bien-être. Mais si je me trompe, sa page c'est Alma Deva Prod. Je vous ai donné le lien plus bas. Vous allez cliquer j'aime et comme ça vous serez informé de tout ce qui va sortir. On en est au début, il n'y a pas grand-chose pour l'instant, mais ça va mais venir. ça va venir. Ça s'en vient, comme disent les Québécois, ça s'en vient. On vous dit à bientôt, on vous embrasse. Dimanche, même heure, il y aura un autre live. Profitez de cette soirée ensoleillée, chaude, Et ça sera certainement. sûrement sur l'ego. Ah Je oui. sais que ça intéresse beaucoup de monde. Allez, tiens, ça sera sur l'ego Allez, avec nos deux on s'engage. personnages. On s'engage et il y aura Ça peut-être sera une petite sur l'ego. surprise parce qu'il y a deux personnages sur Lego qui vont être intéressants. Allez, on vous embrasse et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.